Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour le vidéo test de Sonic Boom, l'ascension de Lyric. Alors, Sonic Boom, qui a été fait, enfin qui est sorti au mois de novembre 2014, je sais plus exactement, je crois que c'était le 23 novembre 2014, qui a sorti en France, et qui a été fait par le développé par Big Red Button. Big Red Button, je sais pas comment ça se prononce exactement le bouton là. Et ça n'existe pas normalement, bouton en anglais, mais c'est pas grave. Et là, ça, c'est pas un jeu fait par Sega, juste édité par Sega. Ça n'a pas été fait par la Team Sonic, ou Sonic Team, je sais jamais de quel sens c'est. Et donc, alors on va dire de quoi il en retourne. C'est un jeu de beat'em all, vitesse, beaucoup d'action et de plateforme. Le problème, bah, c'est, je vais vous dire direct, de toute façon, mon avis, c'est un jeu très moyen. Je voulais le dire. Dans la première vidéo découverte, j'étais sérieux quand, au tout début, je disais que ça allait. Ça a l'air plutôt sympa. Et puis après, quand on voit les défauts du jeu, le frame rate qui est très souffreteux, parce que des fois, dans les rails de vitesse, on voit vraiment que le framerate est très souffreteux et que le jeu a vraiment du mal, quoi. On passe de 30 fps, parce que le jeu il marche plutôt en 30 fps, constant, voilà. Pas trop constant, puisqu'il y a pas mal de baisse de framerate. Et dans les zones de vitesse, voilà, c'est surtout là qu'on voit que ça se baisse à 15 fps d'un coup, pendant une à deux secondes. Certes, ça nous gêne pas. Ça gêne pas dans la jouabilité, mais ça n'affecte pas le joueur. Mais d'un côté, c'est moche, ça rend très moche. Sinon, ce qui est vraiment dommage, c'est que bah, j'attendais beaucoup plus. Je m'y attendais beaucoup plus de ce Sonic Boom en voyant les trailers, en voyant pas mal de choses. Je me suis beaucoup renseigné de ce Sonic Boom. Un jeu qui a été normalement développé au tout début, il a été développé en 2009 sur PS3 et Xbox 360. Bien sûr, par contre, ça je tiens d'un youtubeur qui m'a donné l'info il n'y a pas si longtemps que ça. Du coup, je me suis pas mal informé, mais je savais pas par contre cette information. C'est assez intéressant d'ailleurs. Ils ont mis beaucoup de temps à développer ce jeu. C'est vrai que ça faisait pas mal de temps que j'en entendais parler de Sonic Boom. Enfin, pas mal de temps ça faisait depuis que la Wii U est sortie. Même un peu avant la sortie de la Wii U. Et donc c'est sûr que... sûr qu'on s'y attendait quand même un peu plus. Même beaucoup plus. Et au départ, j'ai cru que c'était franchement la Team Sonic qui allait faire ça. Hélas, non. Ce n'est pas Sega eux-mêmes. D'ailleurs, ce jeu a été fait avec le moteur graphique, le CryEngine 3. Incroyable. Un moteur graphique, je vous rappelle, le premier CryEngine faisait tourner Far Cry 1. Voilà. Une tuerie graphique. Une claque graphique monumentale. En 2004, on n'a jamais vu ça. Avec notamment aussi qui était avec Half-Life 2 également qui était son concurrent, j'ai envie de dire, à Far Cry 1, mais franchement Far Cry 1, voilà, c'était une tuerie graphique. Voilà ce que procurait déjà le premier CryEngine. Et le CryEngine 3, le 2 je crois, le CryEngine 2, c'était avec Crysis déjà, tuerie graphique aussi, 2007. Et le CryEngine 3, c'est fait avec Rise, par exemple, un jeu qui est... un jeu sur Xbox One qui est très... bon, qui est nul, faut le dire, c'est une bouse, mais on peut dire que c'est une bouse, mais graphiquement, c'est le plus beau jeu sur Next Gen que j'ai jamais vu, voilà. Certes, il va peut-être y avoir le Grand Zero, là, Metal Gear Solid 5, qui va être sur PS4, mais avant ça, franchement, c'est le plus beau jeu sur Next Gen, ce Rise, sur Xbox One, et c'est
Voilà, ça a été fait vraiment, ce Sonic Boom a été fait avec le même moteur graphique quand même. C'est assez énormissime. Surtout quand on voit les textures, c'est très moyen. Alors c'est même ignoble des fois. C'est... Enfin, pour une Wii U, c'est moche. Ce jeu, des fois, je me serais vraiment dit, des fois, qu'il aurait pu sortir sur Wii. Il y a des fois, les textures, c'est très moyen. Mais bon, on peut comprendre, parce que c'est une autre société qui a fait Sonic. Et à chaque fois qu'on sait une autre société qui fait Sonic, c'est un jeu très moyen. Voire mauvais, comme Sonic the Hedgehog sur PS3, notamment. Mais bref, voilà, j'en attendais beaucoup de Sonic Boom. Mais hélas, voilà, c'est... Bon, il est sympathique, il a l'air pas mal en multi, même si j'ai pas essayé le multi. Mais voilà, à côté de ça, c'est... Notamment, il y a beaucoup, j'ai pas mal de choses à dire. J'ai sans doute même oublié quelques trucs que j'ai envie de dire. Et déjà, quelque chose de très important, ce Sonic Boom rencontre beaucoup de bugs. Bon, pas autant que Sonic the Hedgehog. Hein. Il n'a pas battu le record mondial, Sonic the Hedgehog, sur PS3, purée. Et 360, la version 360, je crois qu'elle est aussi buggée. Mais bon, je l'ai jamais vu en vrai, j'en ai juste entendu parler. Sur PS3, je l'ai vraiment essayé, le pad en main, mon dieu. Maniabilité horrible, atroce. Ce Sonic Boom a une maniabilité plutôt moyenne. Faut le dire, mais il y a des fois, même des fois, on meurt à cause d'un bug. Faut le dire, c'est quand on, par exemple, quand on va sur un bumper, des fois il y a Sonic, je sais pas pourquoi, il est bloqué. Je vais vous montrer ce moment, ce passage, c'est épique, c'est magnifique. Mais il y a réellement Sonic qui est bugué, qui est bloqué. À un moment, j'ai cru que j'étais complètement bloqué et que je pouvais plus rien faire. Bon, heureusement, après, il était ressorti du bumper. Mais voilà, c'était très chelou. Le bug qui est jamais arrivé dans les anciens Sonic. Voilà, magnifique. Ce Sonic Boom aussi est sorti sur 3DS. La version 3DS est à ce qui paraît mieux. Bon, c'est encore... Encore, c'est logique qu'il n'y ait pas de bug sur 3DS puisque c'est un jeu en 2D, donc bon, beaucoup plus de facilité au niveau de la programmation. Et voilà, ce Sonic Boom a voulu être peut-être trop ambitieux des fois, et je sais pas, à la base, ouais, c'est pour un jeu quand même qui a été développé au début, qui a été commencé en 2009, voilà, c'est pas possible quoi. Franchement, on s'y attend à beaucoup plus. Et donc, je vais vous dire pourquoi. Pourquoi il est sorti que sur Wii U et sur 3DS. Bien sûr, c'est parce que Nintendo a racheté Sega. Enfin, a voulu que Sega fasse de la pub pour la nouvelle série Sonic Boom qui est sortie en Amérique au début, qui a été fait par des Américains. Donc Sonic Boom est surtout sorti pour ça, mais aussi Nintendo a racheté Sega à un moment, donc pour que ce jeu soit uniquement fait sur les consoles Nintendo. Donc c'est pour ça que finalement il est pas sorti sur PS360, mais bel et bien sur Wii U. Et ça fait plaisir parce que sinon je n'aurais pas eu ce Sonic, et en tant que fan, franchement, bon, ça m'a... Quand j'ai vu les trailers de Sonic Boom, déjà, ça m'a choqué quand même, par contre. Parce que quand t'es habitué aux anciennes skins de Sonic, depuis Adventure, là, c'est... On va dire que c'est un peu différent. En même temps, c'est parce que c'est la série américaine qui veut ça, parce que, c'est les Américains, c'est pas Sega qui ont fait cette... Sega n'ont pas aidé Big Red Bouton, hein. C'est complètement repris de... C'est des Américains qui ont fait juste Sonic, et ils voulaient faire cette série à leur façon. Donc ils ont un peu changé les skins, Sonic et ses comparses. Ils ressemblent un peu à des humains, quoi, presque. Ils sont humanoïdes, comme je l'ai dit dans la première vidéo découverte, enfin, comme j'ai mis en titre.
ça peut faire peur au début dans les trailers, mais après on s'y habitue. Franchement, après on s'y habitue. Bon, même si le plus raté, c'est Knuckles, c'est celui qui a le plus changé et c'est celui qui est le plus raté. Également, je dirais qu'il a été gonflé par à l'hélium. Mais voilà, sinon, je voulais aussi vous parler de l'histoire et aussi de son ambiance, l'ambiance de ce Sonic. Parce que depuis peu, enfin depuis Sonic Colors, j'ai remarqué qu'il y a vraiment eu un changement dans les Sonic, c'est que bah, les personnages sont beaucoup moins matures et que c'est beaucoup plus tourné vers les enfants. D'ailleurs, ce Sonic Boom va être plus pour les enfants. Hein. Sonic Boom, je parle pas du jeu, enfin peut-être si du jeu aussi, mais je parle aussi de la série. C'est plus, on voit que c'est plus pour les enfants. Surtout quand juste avant il y avait le Shonen Sonic X, là il y avait plus des ados qui pouvaient regarder, là c'est plus les enfants, et ça passe même sur Gulli quoi. Je pense oui, ça passe sur Gulli, j'ai vu ça sur YouTube, j'ai vu vite fait l'épisode 1 et ouais c'est moyen, mais bon, c'est comme ça, mais bon, donc ils étaient Ligue de Bouton quand même, ils ont été un peu obligés de faire ça, hein, de faire dans l'esprit de la série. Et donc de faire un jeu assez, on va dire, assez enfantin, voilà. C'est des fois, les personnages, ils ont des fois des répliques très bas de gamme, mais c'est comme ça. Surtout Shadow. Ça peut faire peur. Déjà, tu te demandes ce qu'il fout là. Parce que. Tu te demandes pourquoi ils l'ont inséré dans le jeu si c'est pour juste le mettre, si c'est pour juste le combattre déjà une fois et puis c'est tout, c'est fini, on le voit plus jamais après, et à la fin on le voit, il sort une phrase à deux balles. Je vous mettrai à ce moment là il sort une phrase à deux balles, pas mal, et puis c'est tout, il se barre, d'accord, what? Bon, c'est peut-être le suspense, attention, le suspense est à son comble. C'est un scénario incroyable. Il va se passer beaucoup de choses avec Shadow. Parce qu'il paraît le nouveau personnage qui est sur 3DS. Parce qu'il y a un nouveau personnage sur 3DS qu'on peut voir aussi sur la version Wii U, mais on peut pas y jouer avec. C'est une fille qui balance un boomerang et je sais plus son nom. Mais c'est pas grave. On s'en fout un peu, il y a toujours des nouveaux persos. Mais à ce qu'il paraît, c'est une copine de Shadow. Voilà. De ce que j'ai entendu. Mais bref, niveau scénario, cette fois-ci, on sera pas seulement contre Dr. Eggman, pour une fois, mais il y a un nouveau méchant, grand méchant, tyrannique, un grand tyran, lyrique, qui a été libéré par Sonic, que Sonic a déjà, avant, pourtant il l'a oublié, dans le passé, il l'avait emprisonné, Lyric, ce serpent si malicieux, tellement malicieux que quand même, il s'est fait libérer par Sonic après, et Sonic l'a oublié. C'est complètement con. Peut-être qu'à un moment il était beurré, Sonic, il a trop bu et il a complètement zappé qu'il avait emprisonné ce type, hein. Je sais pas. Je ne comprends pas pourquoi il se souvenait plus de ça. Mais bon, voilà. Niveau scénario, bon, on va dire que c'est très moyen. Ils ont essayé de faire quelque chose de bien avec pas mal de... Les personnages ont beaucoup de bulles de dialogue. Enfin, ils parlent beaucoup. Ils racontent souvent leur vie. Ils disent des conneries. Bon, des fois, c'est marrant. Bon, des fois, c'est vraiment enfantin. Et oui, niveau scénario, ça vole pas bien haut. Parce que... Ben voilà, on a un nouveau méchant, lyrique. Qui veut s'emparer en fait des 6 cristaux, je crois qu'il y en a 6 ou 7, peut-être qu'il y en a toujours 7, donc je dirais 7. Je m'en souviens plus. Les 7 cristaux maléfiques. Pour qu'il puisse créer son nouveau monde robotique. J'ai envie de dire, on a vu ça 1000 fois avec Dr. Eggman. Donc ouais, c'est exactement le même objectif que Dr. Eggman. Mais il a un autre comportement, il est plus calme. Et voilà, c'est un nouveau méchant, attention!
Il a de la carrure, il a la classe. Non, allez, je déconne. On va dire, c'est un nouveau personnage comme les autres. C'est moyen, quoi. Et il s'allie avec Dr. Eggman. À un moment, parce que... Mais parce que, de toute façon, vous avez vu dans les vidéos découvertes ce qui s'est passé. En tout cas, si vous n'avez pas vu les vidéos découvertes, regardez les vidéos découvertes. Voilà. Les 3 directs live. Ils sont vraiment sympas à regarder. Où je me paume souvent dans la partie 2. C'est la classe. Ah, et aussi, je voulais parler aussi de, voilà, du scénario. Déjà, j'en ai parlé, c'est moyen. Et puis, il y a pas mal de bulles de dialogue. Les personnages parlent pas mal, même pendant qu'on joue. Donc, on n'a pas trop le temps de s'ennuyer quand même dans le jeu. C'est la première fois qu'on le fait. Mais je pense pas que le replay value n'est pas très intéressant. Je pense pas que on aurait trop envie de refaire le jeu. En tout cas, j'ai pas une envie incroyable de le refaire en difficile. Parce que oui, on débloque le mode difficile quand on finit la première fois le jeu. Et le mode difficile, c'est juste qu'on a moins de checkpoints. Parce qu'à la base, on a beaucoup de checkpoints dans ce Sonic Boom. Vraiment beaucoup de checkpoints. Autant que Rayman Legend, ce qui est incroyable. Parce que, j'ai cru que Rayman Legend, c'était le record mondial au niveau du checkpoint, mais non. Il y a ce Sonic Boom à côté. D'ailleurs, je ferai aussi une review, un vidéo test sur... sur Rayman Legend, mais bon, je pense que ça attendra, je sais pas, quand j'aurai envie. Mais bref, qu'est-ce que je disais? Oui, je disais que ouais, on s'ennuie pas parce que les personnages parlent beaucoup et il y a pas mal de blagues des fois. C'est bien trouvé, plutôt bien trouvé, amusant, mais bon, on sourit un peu, mais bon, c'est un peu enfantin, quoi. Mais c'est sympa et cette ambiance est plutôt bonne. J'ai envie de dire, c'est pas un mauvais point. Si les autres Sonic suivent, si les Sonic d'après sont aussi comme ça, j'ai envie de dire, bah c'est bien. Que ça prend pas, j'arrive pas à articuler, que le jeu ne se prend pas au sérieux comme ça, que c'est aussi comique. J'ai envie de dire, c'est mieux qu'avant, parce que avant, certes, c'était plus mature. Peut-être l'histoire était peut-être un peu plus travaillée dans Sonic Adventure DX ou The Battle, même si c'était très moyen aussi. Bon, peut-être un peu plus dans The Battle. Savez-vous que j'avais presque pleuré quand j'ai vu Shadow qui s'est suicidé à la fin. Mon Dieu. Non, je rigole. Enfin voilà, c'était émouvant. Mais voilà, sinon ouais, c'est... Les quelques fois qu'on voit Shadow, là, franchement, je suis déçu. Je m'attendais à mieux. Quand on voit Shadow, je m'attendais à bien mieux. Quelques pauvres phrases, c'est... J'aurais préféré ne pas le voir parce qu'ils l'ont tellement mais démoli, Big Red Bouton, là. Shadow, là, il va avoir peur de ressortir maintenant, de se montrer. Il va avoir peur de se montrer. Tellement que c'était nul à chier, ces répliques. Mais bref. Je pars tellement en live. Mais bref, ouais, ce côté un peu nanar, ce côté un peu comique, voilà. On va dire que c'est bien. C'est pas nul, c'est pas mauvais, c'est pas non plus bon. Mais bon, ça va. D'un côté, je trouvais que, ouais, que Sonic Adventure 2 Battle, quand tu voyais les cutscenes, c'était un peu trop sérieux. Ça se prenait trop au sérieux, je trouve. Surtout dans un jeu où tu vois juste un hérisson qui parle, quoi. C'est normalement de base, ça doit pas être sérieux, quoi. Et c'était assez bizarre. Et bref, même souvent on passait les cutscenes parce qu'elles étaient un peu trop longues au bout d'un moment, et voilà, quoi. Niveau scénario, ça pétait pas bien haut, mais ils essayaient de faire un truc de fou, Sega. Ils sont comme ça chez Sega. Ils font un scénario tout simple, mais ils essayent de faire beaucoup de dialogue, ça explique beaucoup, alors qu'en fait ça explique pas grand chose. Voilà. En fait, c'est pas grand chose. C'est ça en fait dans les premiers Sonic Adventure. Dans Sonic Heroes, encore ça allait mieux. On n'avait pas beaucoup de cutscenes, donc bon, c'était mieux. Voilà, dans ce Sonic Boom, on a beaucoup de cutscenes, mais elles sont amusantes à regarder, et puis voilà, c'est marrant des fois. Voilà. Ouais,
Il a quand même des bons côtés, ce Sonic Boom. Même s'il est, est vraiment buggé. Je sais pas si je vous ai déjà parlé du bug avec la frame où on voit pendant une frame, oui, on voit l'écran qui est blanc. C'est assez inadmissible. On voit carrément les textures qui se barrent, oui. Des fois, on voit les textures qui se barrent. Comment la distance d'affichage est très faible. Et ça, c'est vraiment... c'est impardonnable. Des fois, tu vois même les rings, je vous jure, mais on voit même les rings qui dépop. À 50 mètres devant, on voit à 50 mètres, les rings, ils dépop. Non mais si, c'est incroyable, les rings, c'est juste des items, des bonus. C'est des simples bonus. C'est incroyable, autant qu'ils mettent des rings en 2D, là, comme ça, ils dépop pas. C'est pas possible, quoi. C'est choquant, voilà. C'est bizarre. On comprend pas, on sait pas pourquoi. On est sur Wii U, console HD, 1080p, et voilà, on se retrouve avec pas mal de bugs, et bon, c'est bizarre. Surtout quand on a vu la qualité de Sonic Lost World juste avant, qui était très bien, franchement, c'était parfait. Et des fois, voilà, dans Sonic Boom, on voit des fois même des textures qui... on les voit une seconde quand on saute très haut, par exemple dans les phases de course. Quand on saute très haut, des fois on voit des textures qui apparaissent d'un coup et qui disparaissent d'un seul coup après. Des rochers qui sont sur l'eau qui disparaissent, qui réapparaissent, des trucs comme ça. C'est incroyable, la distance d'affichage, toute une histoire, distance d'affichage de fou de Sonic Boom, toute une histoire. Aussi je voulais vous parler, ouais, de... oui, de ces fameuses phases de vitesse. Et de quelques boss, on a quelques boss, bah Shadow notamment, qui n'aura pas dû être là. Maintenant je l'aime pas ce perso. Non, je rigole. Non, il faut plus penser à ça, il faut plus penser au dialogue de merde de Shadow, c'était tellement pitoyable. Mais bref, on a quelques boss, on a notamment Metal Sonic, le retour de Metal Sonic, qu'on voit pas mal, déjà ça fait plaisir. Un bon personnage. À un moment, on le combat dans une zone de vitesse, et c'est, on va dire que le combat est assez simple, sympa. Il est sympa, même si à côté les zones de vitesse sont vraiment nulles, la jouabilité est très faible, on fait presque rien dans ces zones. Sérieusement, c'est... ils ont un peu arrêté ça dans Sonic Generation, peut-être. Ces gars, ils avaient fait quand même des niveaux où on jouait un peu plus. Même s'il y a vraiment des fois où tu fais rien pendant 3 secondes. Il y a des phases où tu ferais rien pendant 3 secondes, c'est presque des cutscenes immédiats. Et là, franchement, dans ce Sonic Boom, c'est... là, tu lâches la manette et tu contemples. Voilà, c'est les zones de vitesse. Il y a aussi... on peut courir aussi sur l'eau dans ce Sonic Boom. Ce qui est aussi... franchement, il y a pas mal de bonnes idées, je trouve, dans ce Sonic Boom. Il y a vraiment beaucoup de bonnes idées, mais je trouve que ce jeu a été trop gourmand. Et que, bah, y a... notamment, il y a beaucoup de phases différentes, beaucoup de phases uniques. Mais à côté de ça, elles sont presque toutes ratées, donc c'est dommage. Parce que franchement, ce Sonic Boom, il aurait pu être une tuerie s'il était bien codé. Parce qu'il est mal codé, il y a beaucoup de bugs. Et voilà, quoi. Notamment la phase quand on est sur un espèce de vaisseau sur l'eau, ça fait pitié, ça peut faire peur, avec notamment quand on combat contre Dr. Eggman à la fin, quand on est sur son vaisseau, il dépop. Il y a des fois il dépop, je vous jure, on voit plus que son vaisseau, on voit plus Dr. Eggman, on voit plus que son vaisseau. Prenez ça. Quand on est à plus de 50 mètres de lui. It's incredible! Encore la distance d'affichage de gros ou faux! C'est vraiment beautiful! Ah, c'est vraiment... c'est beautiful! Ah, cet accent magnifique. C'est aussi beau que mon accent! Et oui, sinon, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Je pense que j'ai déjà dit pas mal de choses. J'ai sans doute oublié quelques trucs. Si, au niveau... ouais, j'allais dire aussi que esthétiquement, je disais que
Je disais qu'esthétiquement, peut-être que je me répète, mais esthétiquement, le jeu est très... Bah, il est sympa à regarder. Quand on est dans les canyons, quand on est dans la forêt et tout, c'est assez coloré, ça va. Quand on regarde de loin, franchement, esthétiquement, si on avance juste comme ça, on regarde pas trop le, les textures en détail, ça va. Mais techniquement, très faible. Pour du CryEngine 3, quand même, on a de quoi rigoler. Mais voilà, sinon, le jeu voilà, est très rythmé. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de phases rythmées. Mais c'est plus... dans la plupart des phases rythmées contre les boss, c'est des fois, tu fais presque rien. Tu esquives juste un peu vers la droite ou la gauche, sur le rail, là. Et c'est tout, quoi. Et carrément, le personnage, il court tout seul, en plus. Ce qui est assez énorme, c'est qu'il court tout seul. C'est encore plus... énorme. Donc on est complètement assisté quand même. Dans ce Sonic, on est complètement assisté. Donc je pense, d'un côté, ouais, il a été fait pour les... peut-être pour les enfants, je sais pas. Je suis un enfant. Et voilà, ça c'est... c'est dommage. Je m'attendais à plus, moi, dans les phases de course. Je m'attendais à beaucoup plus. Surtout dans les trailers, quand on voyait le truc. Ça a l'air vraiment pas mal, hein. Même si la musique était merdique, la musique du trailer faisait pitié. À côté de ça, ça a l'air vraiment rythmé et tout, mais voilà, quand on est face au jeu, finalement, il n'est pas si exceptionnel que ça, et bah, il est moyen. C'est un jeu très moyen, voire il y en a qui le considèrent carrément comme une bouse. Hein. Les Américains, quand il est sorti en Amérique, et la plupart des joueurs américains, même youtubeurs américains, il est considéré comme une bouse innommable. Moi, je le considère pas du tout comme une bouse. Je dis que c'est un jeu moyen. Voilà. Il peut être amusant à plusieurs en coop. Beaucoup, en tout cas, il y a beaucoup de phases. On peut faire carrément toute l'aventure en coop à 4. Ça, c'est vraiment pas mal. On peut faire quelques mini-jeux en coop, mode survie ou des trucs du genre. J'ai pas du tout essayé, mais j'ai vu ça. Ça a l'air vraiment sympa. Donc voilà, il y a quand même pas mal de bons côtés. Il y a également, sinon au niveau des villages, j'ai pas expliqué aussi, au niveau pour les boulons qu'on récupère, qu'on ramassait souvent, là, les boulons à la Ratchet & Clank style. Ça sert en fait à seulement construire quelques parties de la ville. Voilà, c'est juste pour investir, pour construire quelques parties de la ville. C'est juste pour ça, donc c'est un petit objectif en plus. Il y a pas mal, il y a quelques quêtes annexes, ouais, quelques quêtes annexes. C'est sympa. Le jeu a voulu être assez open world, parce qu'on s'y perd, hein, mine de rien, quand même, assez souvent. Je sais pas trop quoi faire au début. Vous avez bien vu quand même quand j'ai fait les direct live, les vidéos découvertes. Des fois, c'était assez incroyable. J'étais un peu paumé. Pendant presque 20 minutes, j'étais paumé. Je tournais en rond. Et ouais, des fois, on cherche vraiment ça, ce côté où l'on cherche, au moins. Ça, c'est bien. Ça reprend le principe des anciens jeux. Des jeux sur GameCube, sur N64. C'était vraiment... de ce côté-là, ce jeu m'a fait plaisir, parce que... On est pris par la main, certes, pour les combats en beat'em all, ou aussi où à chaque fois on ressuscite vraiment pas loin derrière quand on crève. Mais à côté de ça, pour les objectifs et tout, on doit chercher par nous-mêmes. Et même carrément, à un moment, il y a une phase avec Sonic, il peut rebondir sur des espèces de boules bleues en faisant le spin dash. Je vais être sérieux, j'ai regardé sur internet comment le faire. Je ne savais pas qu'on pouvait aller sur ces trucs-là. Je croyais que c'était des interrupteurs à activer pour plus tard. Donc j'étais à moitié bloqué à cause de ça, pendant 30 minutes. Donc après, moi, ça m'a fait chier, donc j'ai regardé sur internet. Ouais. Petit tricheur, là. Donc voilà, franchement, c'est pour vous dire que quand même, on peut être bloqué quand même. Hein. On peut être bloqué dans ce Sonic Boom. Certes, il est... Il est pas dur au niveau des combats et tout, y a pas besoin d'avoir une skill magnifique.
Et donc c'était très facile pour Oliver Plasma, bien sûr. Des fois, je me suis même suicidé pour voir où on repopait. Non, je rigole. Non. Des fois, par contre, on meurt vraiment d'une façon... On se demande ce qui s'est passé. Hein. On meurt, mais comme ça. D'un coup, tu comprends pas le beat'em all. C'est un beat'em all très bordélique, hein, ce Sonic Boom. On n'a pas beaucoup de... Les personnages n'ont pas beaucoup d'attaques différentes. C'est ça qui est vraiment dommage. Et si, il y a peut-être l'Uppercut. Attends, j'adore l'Uppercut, mention spéciale à Naruto quand il fait son magnifique Uppercut là en sortant du sol en battant Neji. Bah, là, c'est exactement la même chose avec Knuckles, voilà. On peut faire ça. Bon, il peut pas faire le multiclonage par contre. Bon, ça m'a tout de suite fait penser à ça. Ça m'a tout de suite fait penser à Naruto quand même. Hein. Quand il fait son coup vers le. Quand il fait son gros Uppercut là, Knuckles en sortant du sol, parce qu'on peut se combattre comme ça aussi, c'est assez sympa, je trouve. Bonne idée, il y a des bonnes idées, franchement. Mais voilà, des fois, elles sont pas assez bien exploitées. Même trop peu exploitées. Mais il y a des fois, par contre, les phases en beat'em all, des fois, on a vraiment envie que ça se termine parce que c'est trop long et puis c'est trop bordélique. Des fois on perd des anneaux, on se fait toucher par je sais pas quoi, l'ennemi nous contre-attaque, tu sais pas trop comment. Donc voilà, c'est vraiment dommage. Notamment bah, à la fin où c'est complètement le défouloir, c'est à la fin du jeu, c'est n'importe quoi quand il y a le petit Clang là, le robot. Ratchet et Clang, tout de suite ça fait référence à ça. Le robot, mais c'est Clang, hein. le revoilà, Clang. Il est revenu, il est maintenant chez Nintendo. C'est du grand n'importe quoi cette vidéo. Mais voilà, Clang qui nous aide. Même s'il s'appelle pas Clang, mais c'est pas grave, je l'appelle comme ça. Qui nous aide. À la fin du jeu, il ouvre quelques passages. Des fois, on a des phases avec des rayons rouges. Bon, ça c'est complètement nul, hein. Les rayons laser là, rouges. C'est complètement naze et c'est vraiment facile. C'est pareil pour. Des fois, il y a des énigmes. Parfois, franchement, c'est. Tu te demandes si ils nous prennent pas pour des CM2. Non mais sérieux quoi. Il y a vraiment des fois c'est. Les énigmes, c'est. Ça peut faire peur. Ils disent, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ah oui, c'est vrai, je peux passer le petit robot dans le trou qui est juste devant. Avec Tails, purée. Et le robot, tu peux même pas le diriger, il se dirige tout seul vers l'interrupteur. Voilà. Le Clang là. Et également, ouais, les phases en rayon laser, c'est assez pourri. Super boulot, mon pote. Continue. À la James Bond style, c'est vraiment pourri. Ou aussi quand on marche à la Michael Jackson, là, sur par terre, là, sur les espèces de plaques lumineuses. Hein, ça peut penser à Michael Jackson, parce qu'à un moment, dans un clip, on voit marcher par terre, ça illumine le sol. Je sais plus dans quel clip. C'est pas grave. Ah bah oui, j'adore Michael Jackson aussi. Est-ce que je sais pas si vous aimez les vidéos tests vraiment WTF, mais j'espère, hein, parce que voilà. J'ai beaucoup de choses à dire sur le jeu, mais à côté de ça aussi, j'ai un peu de mal. Des fois, on a tellement de choses à dire qu'on part vraiment dans du grand n'importe nawak. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, et sinon, de quoi est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que j'ai oublié? Je voulais aussi parler de... bah oui, du boss final. Hein, j'ai parlé de boss, de Metal Sonic. Bah parlons du boss final. Lyric. Donc alors, est-ce que Lyric est dur à battre? Non. Boss final complètement raté, complètement loupé, de A à Z. On s'ennuie en plus à mourir et puis c'est super simple. C'est bordélique et c'est simple. Franchement, il est très rapide. Il est très rapide à battre Lyric. Donc voilà, c'est vraiment dommage, mais bon. On va dire qu'on s'y habitue un peu avec les boss finales de Sonic en ce moment, avec Sonic Lost World notamment, où le boss final était assez loupé aussi.
Bon, il était sympa à battre, mais bon, il était très facile. Là, c'est pareil. Et pour moi, c'est très important. Il faut que ça, il faut qu'il y ait un boss final à la hauteur. À la hauteur du jeu. Et là, certes, il a été à la hauteur du jeu. Moyen. Effectivement. Ah oui, sinon, je vous ai pas parlé des ziplines. Nouvelle jouabilité. Encore une fois, il y a pas mal, beaucoup de nouveautés dans Sonic, parce que la plupart du temps, normalement, dans les Sonic, on a affaire à du vitesse plateforme, quoi. De la vitesse plateforme. Là, c'est vitesse plateforme, mais surtout plateforme et beat'em all. Puisqu'on peut pas sprinter dans ce Sonic. Il trottine, juste. Il sprint automatiquement lors des phases en rail. Quand il est sur des rails, mais voilà, c'est... Enfin, je dis sur des rails, mais ils appellent ça des rails dans le jeu. Mais oui, notamment c'est des rails, parce que t'es vraiment sur un rail, tu peux presque pas tourner à droite et à gauche, quoi. C'est des cutscenes presque, vraiment. C'est loupé de A à Z, de toute façon, c'est phases. Certes, ça peut être assez impressionnant visuellement, mais en même temps, t'as des ramages de fou. Et donc, voilà, c'est. Ça donne quelque chose de moyen. Mais bref. Oui, je parlais des ziplines. Les ziplines, c'est assez... Bah, on peut tourner vers la gauche ou la droite. À la fin, c'est un peu plus... on va dire que c'est un peu plus exploité. Mais vraiment, pendant presque tout le jeu, ces phases en zipline, c'est juste du décor, quoi. C'est juste... tu regardes, tu contemples et c'est tout, quoi. Tu contemples les poppings d'arbres. C'est beau. Et des fois, les textures qui se chargent et qui, au début, sont hideuses et après sont moyennes. Mais c'est quand même mieux quand elles sont moyennes. Oh mon dieu, distance d'affichage, encore une fois. Mais voilà, sinon, c'est... Les ziplines, ouais, c'est... T'esquives à droite ou à gauche. Mais c'est tout, et puis, à la fin, on a une phase... On a une longue phase en zipline. La fin, vers la fin du jeu, qui est assez intéressante. Donc voilà, c'est encore un truc qui a été quand même sous-exploité. Ça aurait pu être mieux et moins buggé, surtout des fois. Donc voilà, c'est vraiment dommage. Encore une fois, j'attendais vraiment impatiemment la sortie de ce Sonic Boom. Certes, c'est un jeu moyen, voilà. Je vais conclure parce que voilà, je pense que j'ai tout dit. Je pense que voilà, je pense que je n'ai rien oublié. De toute façon, j'ai oublié des choses, mais bon, il y a tellement de choses à dire sur ce Sonic Boom, tellement de trucs. Vous savez que moi, bah, dans les Sonic Adventures, j'ai vraiment surkiffé Sonic Adventures. Et puis après, Sonic Heroes, j'ai vraiment bien aimé ces trois Sonic. Et après, bah, quand c'est parti un peu en live avec Sonic Unleashed, Sonic the Hedgehog, déjà Sonic the Hedgehog, déjà j'ai fait Sonic the Hedgehog avant, bien sûr évidemment, puisqu'il est sorti avant, je l'avais fait presque ouais, à sa sortie, parce que c'était mon cousin, sur les PS3 de mon cousin, et c'est vraiment, ouais, il est bugué de A à Z, c'était là franchement que c'est un peu parti en live. Les Sonic, en tout cas sur console de salon, parce que sur console portable, je vous ferai d'ailleurs vidéo thèse Sonic Rush sur console portable. C'est toujours, c'était toujours des bons Sonic. Ça reste toujours des très bons Sonic 2D, vitesse plateforme 2D. C'était toujours, ouais, c'était toujours sympathique. Alors que, ouais, après. Sur console de salon, c'était vraiment parti. T'as vraiment l'impression que Sonic, bah, c'était la fin de Sonic, c'était la fin imminente de Sega, quoi. Avec notamment avec ouais, Sonic the Hedgehog, déjà ça promet que du bon pour la suite. Ça promettait que du bon pour la suite. Et avec Sonic and the Secret Rings sur Wii, maniabilité horrible avec la télécommande Wii quand même, qu'on bascule de droite à gauche. Non, mais c'est incroyable. Qui a eu l'idée de faire ça, sérieux? Non mais sérieux, c'est incroyable. De toute façon, je ferai une vidéo test là-dessus aussi.
Sonic aussi, chevalier de je sais pas quoi. Sonic en chevalier quand même déjà là, ils ont un peu fumé là chez Sega, je sais pas ce qu'ils ont fumé. C'est assez incroyable. Ah, c'était de la bonne hein, je pense. De la bonne bœuf là. Alors parce que là c'est, ça faisait vraiment ça faisait vraiment peur, surtout à la fin. Dans Sonic le chevalier, je l'ai pas le jeu, mais j'ai vu la fin vite fait sur YouTube. Quand Sonic se transforme en espèce de super guerrier, là, à la place de se transformer en super guerrier, il se transforme en super chevalier. D'accord. Il a une super armure. Ok. Un hérisson en chevalier. Ouais. Et aussi, notamment, bah, c'était un espèce de beat'em all aussi, sur Wii. Et franchement, il m'attire pas du tout. Peut-être que je vais l'acheter, juste pour faire un vidéo test, hein, pour le fun. Mais bon. Je pense qu'en tout cas, là, je suis pas trop motivé pour. Donc voilà, il y a eu pas mal de titres. Le titre de Sonic très moyen, Sonic Unleashed, remontait un peu dans mon estime. Mais il restait quand même très basique, très moyen, surtout avec les phases de loup-garou qui étaient chiantes. Et sinon, Sonic. Heureusement, après, avec Sonic Colors. Sega, bah, ils ont vraiment remonté le pas. Sonic Colors était un bon jeu. Et après, Sonic Lost World, Sonic Generation, voilà, c'était bien parti. Mais après, ça recommence. Maintenant, ça recommence avec Sonic Boom et il recommence à faire de la merde. Commence à déconner, là. C'est vraiment dommage. Faut vraiment que Sega, ce soit eux-mêmes qui fassent le jeu, qui fassent leur propre licence. Parce que franchement, c'est impardonnable, quoi. C'est carrément une autre société qui s'en est occupée, quoi. C'est comme si chez Nintendo, pour Mario, c'était pas Nintendo qui avait fait ça, mais c'était, je sais pas moi, si c'était Sega. C'était Sega qui a fait un Mario. Mais tu vois, t'as Mario qui court vite maintenant. Mario qui pique un sprint. C'est un peu du WTF. Voilà, c'est du what the bug. Donc sur ce, voilà, c'est un jeu moyen. Un jeu qui n'a pas été qui était vraiment dans mes attentes, mais voilà, j'étais vraiment déçu. C'est un jeu qui a été trop gourmand. Mais voilà, sinon esthétiquement ça va. Il est assez beau, surtout quand tu vois dans les artworks. Les artworks, ça peut aller, je trouve. C'est franchement, Big Red Bouton, il savait faire quand même des dessins, quoi, des illustrations, des belles illustrations avec les canyons, la forêt, tout ça. Quand ils avaient fait, quand Sonic Boom était simplement un projet avant, en 2009, ils avaient quand même fait pas mal d'illustrations. C'était, ça rendait beau. Enfin, c'était beau, mais bon, après quand tu vois ça sur bah, en vrai, fait avec le CryEngine 3, c'est très moyen. C'est franchement très moyen. D'ailleurs, ils ont un peu eu du mal à retranscrire ça sur la Wii U, parce que sans doute qu'il y avait d'autres codes à faire, parce que bien sûr, entre la PS3 et la Xbox 360, toutes les consoles sont vraiment différentes, donc sans doute que la Wii U, ils ont pas eu trop le temps. Ils avaient fait sans doute le jeu entièrement sur PS3 ou 360. Donc sur Wii U, ils l'ont un peu rafistolé, mais vite fait, quoi. C'est juste pour qu'il soit lisible sur Wii U, et c'est peut-être pour ça qu'il a aussi buggé. Donc sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures. Et on se retrouve pour d'autres vidéos tests d'anciens Sonic. Wesh! Annulation! Annulation! J'aurais mieux fait d'installer des airbags. Yeah! Sauf qui peut! Juste besoin d'évacuer le robot! Ah! Voilà!
dessin, pas le foulard, minable. Faut pas me sous-estimer, moi. Tu pars maintenant ? J'ai plein de mauvaises nouvelles. Commande manuelle, hein ? Mais où est passé mon robot ? Grâce à Sonic, c'est plus qu'un tas de ferraille. Encore une création inutile. Inutile, hein ? Regarde ça ! Eggman tout craché. Ça commence à traîner cette histoire. Là, c'est le moment où je vous tends une embuscade. Génial. Il fallait que Metal Sonic se pointe juste quand Eggman nous prépare une attaque surprise. Après 1000 ans, nous allons enfin pouvoir mettre notre plan à exécution. En avant! Détruisez chaque plante, chaque animal, et toute forme de vie que vous croiserez. Ensuite, ensemble, nous bâtirons un nouveau monde de métal et d'acier. Allez-y, mes guerriers. De métal et d'acier, c'est plutôt une décharge publique. Toi, tu m'as mis des bâtons dans les écailles pendant 1000 ans. Mais j'ai découvert ton point faible, Sonic. C'est tes amis. Au contraire, Lyric, c'est pas mon point faible, c'est ma force. Maintenant, je vous tiens. Oh, tu me fais trop peur. Dans tes rêves. Vous ne faites pas le poids face à moi. C'est impossible. Finissons-en. Tails, va récupérer le cristal. Détruisez-les. Voilà un peu. Sœur. Soldat. Je suis navré que vous ayez fait tout ce chemin pour mourir. Coup de marteau ! Coup de marteau ! Coup de marteau ! Misérables insectes ! Yeah.
soldat. Bravo, Tex. T'es un vrai pro de la baston. Cool. Non. Va le récupérer, Knuckles. Détruisez-les. Oups, t'as encore loupé. Ouais. Wouhou. Vous ne pourrez pas me battre aussi facilement. Sauf qu'il peut. Vous ne pourrez pas vous échapper. Dis bonjour à mon poing. Votre dernière heure a sonné. Si tu veux, tu peux t'enfuir. Soldat. Attention à ma fourrure! Boum! Bravo, Sonic! T'assures comme un pro, mon pote! C'est impossible! Ligotez-moi cette phrase de crotale! Moi aussi, je peux te toucher. Détruisez-les. Boum. Régler ça en un rien de temps.
Intéressant. Je t'ai eu. Vous pensiez vraiment que vous m'auriez, moi ? Sauver des tas de gens. On a sauvé des tas de gens. Encore une victoire pour l'équipe Sonic. Disons seulement l'équipe. Je sens que ça va être super génial. Thank you.
Mouahaha!